Touche par vous allez bien, on se retrouve pour la troisième manche du championnat 2014 de Formule 1. On va faire du coup continue. Et on va se rendre du coup à Bahreïn. Donc logiquement. C'est ça. Bahreïn. On va faire pour la première fois de nuit. Enfin en tout cas sur la chaîne bien sûr, parce qu'on l'avait déjà fait à l'époque. Je crois que la dernière fois qu'on a roulé sur Bahreïn. Si je dis pas de bêtises, c'est pour la saison 2004. Ah non, 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 2006, pardon. Saison 2006. Avec F1 Championship sur la Play 3. On avait aussi fait la version 2004 avec la Jordan sur Grand Prix 4. Et du coup, cette fois-ci, ça sera la version de nuit. Que je n'aime pas spécialement d'ailleurs. J'aime pas trop les circuits de nuit, honnêtement, parce que je trouve ça déprimant en fait. Et ça a retiré un peu le côté charme de Bahreïn qui est en plein désert et surtout. La chaleur, il est assez compliqué à gérer pour les pilotes. Donc j'espère qu'il ne pleuvra pas. Ah, normalement, si le jeu est un minimum cohérent, il ne pleuvra pas à Bahreïn. Ça paraîtrait quasiment improbable que ça se passe comme ça. Bref, sur voilà, le temps spécifique, il fait juste nuit. Donc on est à Bahreïn et on va se mettre. Situation. Alors j'hésite un petit peu, est-ce que je mets vraiment de la vitesse de pointe ou est-ce que je mets quelque chose de stable, sachant quand même il y a des passages qui sont un peu compliqués, notamment le même secteur avec la chicane et la fin de circuit, on peut aller à fond dans les virages, donc je sais pas trop, je vais tenter un setup conservateur et on va aller sur le circuit, cette séance de qualification. Ça, il m'a préactivé le DRS, heureusement. Ouais, la relance un peu ratée. Alors j'aime comment elle fait la récupération d'énergie alors qu'elle est censée être en qualification la Mercedes. Un tour correct. Je pense qu'on aura fait une meilleure qualification que en Malaisie. Eh, hey, on est 6ème, 5ème. Oh. Ça, c'est pas mal. C'est un bon. Un bon début. Alors, je sais pas si on va faire la même que la dernière fois. C'est-à-dire, vous allez entendre un peu la manette comme d'habitude. On va voir. Donc, du coup. Alors les questions sont que sur un tour, donc normalement il n'y a pas de Q1, Q2, Q3. Donc coéquipier est 16ème. Est-ce qu'il y a eu des particularités à cette qualification? Non, rien. Les deux Lotus sont 17 et 18. Pour nous c'est super, on part vraiment très bien là. Je rappelle qu'on est en expert au niveau du niveau. Donc c'est le troisième niveau partant de 0 pour les 4 ou 5. Voilà, pour l'instant ça se passe pas trop mal. Alors là c'est la course. Non c'est moi, je crois qu'il allait pleuvoir, hein. Pas déconner. Race stratégie. Alors par contre, j'ai envie de partir. De partir en
Prime, ouais c'est bon, Prime. On va faire 8 tours en Prime. Sur le début de course, on sait qu'on perd beaucoup de temps, donc autant partir avec des gommes qui sont plus dures, pour, vu qu'on perd du temps de toute façon. Alors que quand la course, deuxième partie de course, les écarts sont un peu plus élevés. Par contre, non, c'est là où on va changer. Je vais partir en Prime ici, voilà. Celui-là. Ouais, Prime, c'est bon. Et on va prendre les options du coup. Ici. Et on va faire l'arrêt, je sais pas, 14 tours. Ça fait 5 tours en Prime, en option. On va faire 6 tours. Ah, j'ai quand même envie de pouvoir... Ouais, je sais pas trop ce qui peut se passer. On va faire 9 tours. Et on va regarder le setup par défaut, c'est parti, du coup, pour la course. Allez. Le Grand Prix de Bahreïn. Gros espoir. Le point encore ici. Enfin, je sais pas encore ce que ça va donner, mais en tout cas, sur, la, sur les qualifs, ça donne, donne de gros espoirs. Par moyen. Je suis en pneu dur, donc on va faire gaffe, on va attention à la Mercedes de côté. Ouais, bon départ, magnifique. Ça va à l'intérieur sur Rosberg, je pense. Ouais. C'est Vettel qui est devant du coup, qui a pas le meilleur départ sur la Ferrari. Alors plus on va tenir les gars derrière, plus on va pouvoir se donner des chances. Ils vont pas pouvoir s'éloigner. On a beaucoup moins de grip, hein, ça se ressent. Ouais, ils ont pas forcément été dans la température aussi, eux. Ils vont monter en rythme rapidement. Ouais. Complètement raté mon... On va se recaler derrière Hamilton. De freinage. Ça va être compliqué, on va avoir le DRS un peu contre nous. Dans le DRS, donc on va essayer de pas lui donner l'aspiration.
Oh non, DRS enabled. C'est intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, les temps vont commencer à se dégrader. Je pense que ça va être peut-être plus dur pour les McLaren derrière. Les Mercedes, faut que j'arrête les McLaren, hein. Les Mercedes de nous suivre. On va avoir des gommes un peu plus lourds. Le seul souci, c'est qu'ils ont encore le DRS, je pense, derrière, mais il y aura une seconde d'écart un peu moins. À chaque fois, pour pas donner l'inspiration, il a 2 dixièmes. Il va avoir le DRS. Ça semble évident, ce même. On va rester au milieu, comme ça il va hésiter un peu. Le DRS est compliqué. Elle repique à l'intérieur. Il a raison. Au que dire de ce circuit en 2014, bah, la grosse bataille entre Rosberg et Hamilton, hein, qui était quand même une très très belle bataille entre les deux pilotes Mercedes, qui était encore assez copains à ce moment-là. Ça allait vite changer parce que c'est que plus tard dans la saison, il va y avoir l'affaire de Monaco, puis l'affaire de Spa surtout. Il nous avait donné une belle... Waouh, j'ai raté. J'ai raté la sortie. Est-ce que je commence à rattraper un petit peu Vettel? Vettel a perdu du rythme. On maintient la même technique, ça marche plutôt bien. Au 5e tour, on fait un tiers de course. Plus en plus pressant derrière quand même. Oh! Qu'est-ce qu'il a fait, Hamilton? Il a tenté d'y aller. Bah, du coup. Aïe, du coup, c'est Raikkonen derrière. C'est moi qui vais avoir le DRS normalement. Et que je suis
J'ai passé la ligne avant, j'ai passé la ligne avant moi. Ça me permet de me sauver sur Rosberg. Oh, le freinage qui a pas passé. Oh, si. Ouf. Non, ça sent pas si mal que ça. Hein. Le freinage était à la limite hein, avant la fin de la ligne droite là. Je pense qu'un mètre plus tard de freinage, j'aurais été dehors. En plus, eux, ils vont être en pneu dur après, donc ils vont être avoir un rythme un peu plus faible. Je ne vais pas s'arrêter maintenant, d'ailleurs. Par contre, j'ai complètement raté la sortie. J'ai vraiment du mal hein, sur ce virage. C'est Ricardo qui est bientôt en piste. Ah, on est en tête. Vettel s'est arrêté. Ça part en beaucoup de grippe. Avoir le DRS, je pense. Ah, ça rentre derrière, ça rentre, tout le monde rentre. Tout donner dans ces tours-là. Si les gommes, elles commencent vraiment à être fatiguées. Pérez est troisième pour le moment. Il semble qu'il avait bien fini sur cette course en 2014, je crois qu'il avait fait un podium. Ça va, je suis en train de faire des meilleurs temps par rapport à tout à l'heure.
Normalement, on va s'arrêter à ce tour-là. J'ai l'arrière qui est quand même beaucoup plus éclatant, c'est logique, hein, parce que je le glisse à chaque fois que j'accélère. Il reprend un peu de temps. Alors là, c'est pas tant qu'il a des meilleures gommes, parce qu'on a les mêmes, mais c'est surtout qu'elles sont beaucoup moins usées. Le dernier tour va être assez intéressant. Au stand. Trois secondes 7, c'est pas mal. On est toujours des arrières en 3 secondes 7, j'ai l'impression. Ah, mais t'es déjà repassé. Rosberg nous a passé. Attendez, mais je suis encore en... What? Attendez, c'est Cosworth. Moi, je suis encore en... Ils m'ont mis les mêmes. Mais attends, je comprends pas. Soit c'est un bug graphique. Ils vont pas changer les pneus là. Même ils ont changé, mais ils ont remis les mêmes. Je vais me faire disqualifier du coup. Problème. On va attaquer parce que si on est obligé de changer les gars.
Arrête, je m'arrête dans les stands. Il faut que j'utilise l'option. Donc c'est les options qu'il faut que j'utilise. Non. On s'est fait avoir. Bon bah on s'est fait avoir. C'est les options qu'il fallait mettre. Là, il y a un truc que je ne trouve pas logique, c'est pourquoi les options... Pourquoi les options sont au milieu? Alors que c'est censé être du temps, dur, intermédiaire et pluie. Et là, ils le mettent au milieu comme si c'était des pneus moins rapides, quoi. C'est pas grave. Bah, on va aller le plus vite possible. Secondes sur Bottas, ouais, on va passer. Ouais, je pourrais pas marquer des points, là, c'est impossible. Oh là, je me déteste. Selon les Bottas. Cinq secondes. Oh, ça va être compliqué. Là. Ah, c'est perdu, on va sortir des points pour une histoire de pneus, j'y crois pas. Vettel qui remporte la course.
Mais on va finir à combien de Bottas? Aïe 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 aïe. Oh les gars, je suis dégoûté là. Je suis dégoûté parce qu'on avait un podium. Oh là là, on avait un podium possible. Regardez mon temps. 1:37.792. On était plus rapide que tout le monde sur le tracé. Et avec mon erreur de pneu. Oh là là. Ouais, on aurait presque pu. Franchement, on aurait pu jouer le podium, ça c'était sûr. La deuxième place. Alors la victoire, je sais pas, mais en tout cas. Ouais, podium, c'était jouable. Ah, du coup, je suis vraiment dégoûté, quoi. Je suis dégoûté. Bon, maman, on le saura. Hein. Les jaunes, c'est au milieu. Et les blancs, c'est en haut. Du coup, bon, Vettel remporte la course devant Rosberg, Alonso sur le podium sur la Ferrari. 4ème, Ricardo, 5ème, Kimi Räikkönen, 6ème, Jenson Button, 7ème, ça, 8ème, Lewis Hamilton, 8ème, Hamilton seulement. 9ème, Hülkenberg, et 10ème, Terry Bottas. L'équipier finit 15ème. Aïe aïe aïe! Au championnat constructeur, on est 8ème avec 12 points. Bon. De toute façon, l'objectif est déjà plus ou moins atteint, on l'a déjà dit. Et au niveau constructeur, pour l'instant, on est 5ème. Alors, on va voir les autres circuits, mais honnêtement, vu les performances qu'on avait à Bahreïn, qui était sur le sec, je me demande si on n'aurait pas pu carrément. Enfin, on pourrait pas. Carrément se battre avec McLaren ou Force India sur au championnat, ça pourrait être pas mal. Bon, on va pas tirer des conclusions hâtives, mais je pense que ça peut être faisable. Donc, voilà pour le moment. On se retrouve du coup pour la prochaine course. On va le voir ici. Ça bien pourra être. Je vous avoue, les calendriers actuels, je les gros coutiers moins que les anciens. Les anciens, c'était assez similaire, là, c'est compliqué. On a fait Malaisie, on a fait pareil. Est-ce qu'on serait pas de retour en Europe par hasard? Est-ce qu'on serait pas de retour en Europe? Je crois que l'Azerbaïdjan n'était pas encore présent en 2014. En tout cas, la Sauber, des fois on peut s'en sortir. Vraiment, les points sont jouables. C'est quand même, ça sera vraiment bien pour la saison. Et je pense qu'on pourra même jouer les podiums, peut-être à certains moments. Ça dépendra vraiment des circuits. Ouais, je pense que je me serais arrêté un tour avant avec les gommes jaunes. J'aurais pu remonter. Parce que je perdais trop de temps avec les gommes blanches. Bon, enfin, avec des signes, hein, comme on dit. Oula, ce circuit de Chine! Je déteste ce tracé, mais je le connais, donc ça devrait aller. En tout cas, niveau entraînement, ça devrait le faire. Du coup, on se retrouve pour la suite en Chine. Alors, ça vous a plu, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde! Thank you.